pas drôle. Tu vois bien que je suis en train de faire une opération délicate. Quoi? Sur ton front? Qu'est-ce qu'il y a, ton front? Mais il bourgeonne, me semble que c'est évident. Bizarre, pourtant c'est pas le printemps. Oh, j'arriverai jamais à le faire disparaître, ce bouton-là. Puis il y en a belle qui arrive d'une minute à l'autre. Ben voyons donc, Marianne, t'as pas de bouton, là. Regarde-moi une seconde, là. Mais regarde, ton front, il est lisse, lisse, lisse. Il est tellement lisse, là, je pourrais me regarder dedans. Regarde-moi. Attends, j'ai oublié de me raser. Oh, es-tu aveugle, là? Il est tellement gros que je pourrais y mettre un sombrero. Ça va être beau, sa photo, ça, encore. Bon. Tant que c'est pas pour la première page de magazine. Ben justement, c'est pour mon magazine, gamine. On organise un concours pour élire le couple de l'année. Puis ben, Mathieu puis moi, on va participer. Même que je pense qu'on a des grosses chances de gagner. Hey, wow! C'est bien arrangé, votre affaire, hein? La cofondatrice du magazine qui participe à son propre concours. Je comprends que vous avez des grosses chances de gagner. Eh non, c'est pas du tout ce que tu crois, hein? Pour ce numéro-là, je fais absolument rien, hein? C'est Annabelle qui organise tout de A à Z. Là, c'est pas du tout arrangé, notre affaire. Ah oui, c'est vrai, Annabelle est super neutre, hein? C'est juste ta meilleure amie. Mais non, là, de toute façon, là, pour gagner le concours, faudrait d'abord que je me fasse prendre en photo. Puis comme c'est parti là, mais je vais être tout seul sa photo. Dis donc, qu'est-ce qu'il fait, Mathieu? Mais non, t'es pas toute seule, regarde, t'as une deuxième tête qui te pousse dans le front. Oh, non! J'y vais! Hey, mais Mathieu! Marianne et son ami imaginaire t'attendent dans la cuisine. Tu devineras jamais quoi. Ah, mais voyons, Mathieu, t'avais pas autre chose à te mettre? Attends. J'ai une grosse nouvelle. Oui, moi aussi, j'ai une grosse nouvelle. Il est pas question que tu fasses la photo habillée comme ça. Allez. Mais minute, écoute-moi. Je vais peut-être aller étudier au Palm Beach Gardens Academy. Quoi? C'est une grosse école de tennis à Palm Beach. Minute, là, Palm Beach dans le sens de Floride. Oui, en Floride! Hey, c'est le fun, hein? Super le fun. Ah, t'es là? Lâche le pillage de Guinée puis viens-t'en, j'ai réservé la rampe de skate au centre. Ah, je peux pas y aller, là. Il faut que je finisse ma valise. Ta valise? Comment ça, tu t'en vas juste après-demain? Non, je pars ce soir, finalement. Ah ouais? Ouais, mes parents ont appelé pendant que t'étais parti au centre. Ils reviennent plus tôt que prévu, là, vers 10h ce soir. Est-ce que ça veut dire que tu couches pas ici ce soir? Ouais, c'est ça. Ils descendent de l'avion, là, puis ils viennent me chercher tout de suite après. Bon, ben, raison de plus pour aller au centre. Hein, pour fêter ton départ. Simon, j'ai pas le temps. Il faut que je finisse mes bagages, puis il manque plein de choses. Bon, je vais t'arranger ça. Tiens, lave-la ta valise. Simon, c'est pas tout à moi, ça. C'est pas grave. Tu trieras ça chez vous, puis tu rapporteras ce qui est pas à toi. Okay. Lève donc tes pantalons. Pourquoi? Je commence à comprendre pourquoi je trouve pas mes affaires. Quoi? Qu'est-ce que? Tu portes mes bas. Ah ouais? Si tu le dis. Go, les gars, me faut une guenille. Vite. Claude, on peinture la chambre du bébé, puis on a fait une petite... Une grosse gaffe, là, en tout cas. Hey, tu vas pas peinturer avec ça sur le dos? Quoi ça? Ah, c'est pas grave, c'est des vieilles affaires, ça. Ben ouais, c'est une vieille affaire qui m'appartient. Hey! Excuse-moi, j'ai dû le prendre dans le déménagement, je sais pas trop. Bon, t'es sûr que t'as pas le temps? Certain. Tant pis. Il y en a un qui a l'air pas mal déçu. Vous voulez qu'on souligne mon départ? C'est normal, vous avez passé 6 semaines ensemble, c'est pas rien, ça. Penses-tu qu'il est déçu que je parte plus tôt que prévu? Automatique. Il y a plein de grands joueurs de tennis qui ont étudié là. Mais c'est la meilleure école en Amérique du Nord. Mathieu, tu me niaises, là? Ben, je... Oh, enfin, ma dernière photo de la journée. Hey, je te dis qu'il y en a qui ont des histoires de couple pas mal juteuses à raconter. Mais de toute façon, là, je suis même plus certaine qu'on va participer au concours. Oh, Marianne, ne change pas d'idée à cause de ça. Mais non, Mathieu a raison, là. Votre couple est pas si plate que ça, là. En tout cas, pas aussi plate qu'une queue de castor. Peut-être que ça fonctionnera pas non plus. Ben oui, ça va fonctionner, là. Il faut juste vous trouver un petit quelque chose de piquant à raconter sur vous deux. En tout cas, avec la nouvelle que Mathieu vient de m'annoncer, tu vas en avoir du piquant. Ah, une nouvelle? Quelle nouvelle? Ouais, plus piquant que ça, là, tu te transformes en cactus. Ben, mon père s'en va travailler en Floride. Et Mathieu va aller étudier là-bas. Wow, c'est cool! C'est un stage de combien de jours? Ben, c'est pas vraiment un stage, hein. J'irai étudier là le reste de l'année. Quoi? Oh, Mathieu, ça a pas de bon sens. Oui, mais je vais revenir pendant la semaine de relâche à Pâques. Puis toi, si tu viens me voir, disons, 2 ou 3 fois, on va presque se voir une fois par mois. Une fois par mois? Mais c'est pas beaucoup. Attends, j'ai envie. Mais oui, mais avec l'Internet, le téléphone, tu verras presque pas la différence. Hey, wow, là, je veux bien croire que l'Internet, c'est le fun, là, mais frencher un écran d'ordi, c'est pas la même chose que frencher mon chum. Hey, ça fait juste 12 fois par année, ça. Marianne, c'est tellement important pour ma carrière. Carrière, là, tu peux jouer en masse au tennis ici. Ouais, je vois pas comment tu pourrais jouer plus, hein, c'est tout juste si tu couches pas avec ta raquette. Mais non, c'est pas la même chose.
Étudier au Palm Beach Gardens Academy, c'est comme réaliser un rêve. En tout cas, je pensais que je comptais plus pour toi que ça. Mais tu comptes pour moi aussi? La preuve, je t'en parle avant d'accepter. Ah! Oh, OK, c'est juste mon opinion que tu veux. Ben, tu l'as. Je suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, en tout cas, vous avez raison, hein? C'est une histoire très, très, très piquante. Votre cote de popularité va monter en flèche. Wouh! Annabelle, c'est pas le temps. Mais là, vous êtes quand même pas en train de vous laisser. Mais non, hein, on va pas casser à cause de ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire, d'abord? Là, la Floride, c'est pas une petite marche après souper, Mathieu. Ben, moi, je vois juste une solution à votre problème. Laquelle? Mais tu me disais que mes amis seraient les bienvenus à la maison. Bienvenue, Mathieu, je parlais d'amis en visite, là. Je pensais pas que ta blonde était pour venir rester avec nous. Ah, c'est la meilleure solution. Oh, non, Marianne, c'est encore une adolescente, là. C'est beaucoup trop de responsabilités. Au contraire, c'est aucune responsabilité. Hey, elle fait la cuisine, elle fait son lavage, puis tu devrais voir sa chambre, c'est méga propre. Ah, non, non. C'était vraiment pas dans mes plans, là. En plus, moi, j'aurais souhaité qu'on profite de ce séjour-là pour se connaître un peu plus, pour rattraper le temps perdu. Mais moi aussi. Mais un n'empêche pas l'autre, hein? Non, je suis désolé, Mathieu, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Mais là, ça remet bien des affaires en question. Ça va pas t'empêcher de partir, j'espère? Mais là, je sais pas, là. Moi, je me disais que... Je l'aime, Marianne. Je l'aime vraiment. Je comprends, Mathieu. Mais tu trouves pas que c'est déjà assez compliqué comme ça, là? C'est pas compliqué, t'as juste à dire oui. S'il te plaît. Ton père, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Ah, je suis certain qu'il va vouloir. Il arrête pas de dire comment c'est important de relever des défis. Mais, de toute façon, l'important pour l'instant, c'est toi. Peux-tu? On va commencer par attendre des nouvelles de l'école, là. Ils sont censés étudier ton dossier rapidement. Est-ce que c'est oui? Hey, j'aimerais tellement ça que Marianne vienne avec nous. Bon, Marianne, on verra après. Je suis censé avoir des nouvelles en fin de semaine. OK. Donc, tu dis pas non? Non, je dis pas non. Hey, cool, merci! Oh, wesh! Wow, mon fils qui fait du ménage sans même que je lui demande. C'est de valeur que j'ai pas mon appareil photo. Je fais pas du ménage, je fais de la place. Thomas s'en va ce soir. On dirait que t'es quasiment content qu'il parte. Non, pas du tout. Ben là, viens pas me dire qu'après 6 semaines de cohabitation, t'es pas un peu content qu'il part. Ouais, même pas mal. Mm. Mais t'sais, c'est pas qu'on n'est plus amis, là, mais j'ai hâte de me retrouver dans mes affaires. Ah, je sais, je te comprends, là. Mais là, essaie de pas trop le montrer devant Thomas, ça pourrait le blesser. Ouais. Fais-toi-en pas, je vais faire attention. Bon, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial. Ben, ça donne bien parce que Max et moi, on fait de la peinture, là, puis c'est plus long que prévu. On va avoir besoin de ton aide. Ben, c'est que... Oh, je suis donc bien épais. C'est évident que c'était une question piège. Bon, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, pour le départ de Thomas, j'avais pensé aller faire du skate au centre. Ah! Ça se peut pas, là. J'ai retrouvé 2 de mes chandails dans la chambre de Marianne, un t-shirt dans la chambre de Sylna, puis mon pyjama dans la chambre de Nathan. C'est pas mêlant, là. Je pense que tout le monde a des choses à moi ici. Alors, regarde-moi pas comme ça. J'ai rien à toi, moi, là. À part la casquette. Ah oui? Je savais pas. j'aimerais savoir avant que vous alliez faire du skate, là. On va pas faire du skate. Ah non? Ben là, Thomas, ça me déçoit, là. Je pensais que... Ben, tu sais, moi, je le ferais quelque chose de spécial pour ton départ. Ouais, ben, Simon, tantôt, là, c'est... Ben, c'est parce que... Ah, OK, là, on va y aller tantôt, faut que je me dépêche. Cool! Oui, bon, d'après vous, là, ça, c'est quelle couleur? Mauve? Moi, je dirais plus bleu. Bleu mauve, hein? Ouais. Max! Tu t'es trompé de couleur! Ouais. On dirait presque que t'as hâte que je parte. Ça paraît tant que ça. Non. Ben, c'est sûr que j'aurais aimé ça que tu restes un peu plus longtemps, mais je comprends, tu sais. Ça fait longtemps que t'as pas vu tes parents. Ouais. Mais j'ai pas le choix non plus, hein. Tu sais, ma mère m'a dit qu'elle s'ennuyait. Tu sais comment c'est. Ouais. Fallait bien qu'ils reviennent un jour.
Ouais. Bon, prends ton bout. Ouais. Hey, plus j'y pense, le plus je trouve que c'est une super bonne idée que t'as eue. Ouais. Des fois, ma petite lumière, elle s'allume. Et la Floride, il fait beau à l'année, là, avec la mer, le sol. Oh, oh. Les ouragans, les tornades, les rats de marée. T'es donc bien décourageante? Oh, excuse-moi, là, c'est juste que... Mais je vais m'ennuyer de toi. Ben non, là, Mathieu a raison. Tu sais, avec l'Internet, le téléphone, puis tout le reste, c'est vrai que la Floride, c'est pas si loin, puis tu vas venir me visiter. Ah oui, ça serait cool! Ah, puis en plus, là-bas, il y a plein de beaux gars qui font du surf. Eh hey, oui, tu pourrais même te faire un chum américain, imagine! Oh, wow! Les filles, tenez-vous bien. Mon père a accepté. Hey, wow! Marianne abandonne tout pour suivre celui qu'elle aime. Hey, ça sent le couple de l'année, ça? Ouais. Florida, there I come! Ouais. Non, Marianne, c'est Florida, here I come. Bon, là, va demander à ton père, là. Oh non, là, je sais qu'il voudra pas. Je le connais, il va dire que mon anglais, il est trop déficient. Moi, je dirais plutôt pourri. Mais justement, si tu lui disais que tu vas aller en Floride pour apprendre l'anglais... Mais non, il me croira jamais, là. Il sait que j'aime l'anglais autant que le boutin ou le foie. Ouais, mais il faudrait que tu trouves un moyen de lui prouver que maintenant, l'anglais, tu trouves ça super intéressant. Ah! Si tu lui demandais en anglais la permission d'aller en Floride, je suis certain qu'il serait impressionné, hein? Ouais, pas juste lui, hein, moi aussi. Mais oui, c'est vrai que ce serait un bon départ. Mais oui, faut que tu mettes toutes les chances de ton côté, là, puis je vais te montrer quoi dire, OK? Bon, OK, pendant ce temps-là, là, je vais enfin pouvoir faire mes photos du futur couple de l'année! Florida, here I come! Bravo! Hey, Picasso, j'avais raison. Je ne suis pas daltonien, c'est exactement le bleu que Victoria avait demandé. Non, non, non. Ouais, les mauvaises habitudes se perdent pas si vite. Pourquoi? Ah, oh, excuse-moi, j'aurais dû t'en offrir. En veux-tu? Non, mais c'est parce que t'as tellement de bouffe dans ton frigo, c'est... Je m'excuse, c'est comme un ancien réflexe. Bon, c'est pas grave, là. Je vais finir de laver les pinceaux pour qu'on continue, hein? Ouais. Toi, tu vas aller chercher l'escabeau, là, il doit être dans le fouillis de la salle de lavage. Pour un... En plus, ça peut? Non. Non, salut. Dis donc, est-ce qu'il a avalé un pinceau, lui? Quoi, t'es pas encore parti, toi? Non, j'attends Thomas, il devrait arriver bientôt. Hé, hey, ça n'a pas de bon sens, là. J'ai tracé mon dernier chandail jusqu'à chez Chloé. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ben là, Céline l'a passé à Karine, qui l'a passé à Pénélope, qui l'a passé à Chloé. Bon, ben, on va enfin pouvoir aller faire du skate. Ouais. Simon, je voulais te dire, là, si tu veux, je peux laisser un message à mes parents, puis pour leur dire de venir me chercher demain matin. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ben, ça serait le fun, hein? On pourrait passer une autre belle soirée ensemble. Ouais, ben, si ça sera pas long, là, je vais aller téléphoner à mes parents, puis on y va au centre après, là. OK. Super. Mais voyons, Simon, là, c'est juste une nuit. Ouais, juste une autre nuit. Ah, ah salut, Simon, est-ce que Mathieu est là? Ouais, il est en bas. Ah, OK. Salut, Claude. Faudrait qu'on se parle sérieusement, toi et moi. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Cheese! Flash! Dad, I want to go to Florida. I want to go to Florida. Ah, ça serait plus facile en chinois. Mais non, le reste, tu le sais pas bien. Mm. Bon, c'est fini les amoureux, vous pouvez parler normalement. Bon, on le reprend une dernière fois? Ouais. OK. Bon, moi, j'y vais. Mathieu, ton... Daniel est en haut. Bonne chance, hein? Tu me tiens au courant? Papa, papa, papa! Assieds-toi, j'ai quelque chose à te demander. Oui, mais je... Non, non, non! Attends que j'ai fini avant de dire quoi que ce soit. C'est très important. Ouais. Oh. Alors... Dear Daddy, Mathieu is gone... going. Yeah, oui. Mathieu is going to Florida and I want to going him... Join. John. Join! Ah, là, join. Marianne, je le sais, là, tu veux accompagner Mathieu en Floride. Hein, comment ça se fait que tu sais ça? Daniel est en haut. Ça serait une super bonne occasion pour Marianne d'apprendre l'anglais. Je comprends, là, mais... Oh, je savais que tu voudrais pas. C'est pas une question d'anglais. C'est qu'étudier là-bas, ça coûte une fortune. Toi, t'es mineur, puis t'es mineur pour un bon bout de temps encore. C'est moi qui est responsable de toi, pas Daniel. Oui, mais Daniel... Insiste pas, Marianne. C'est non. Peut-être que je serais pas accepté non plus. Ben justement, ton père a des nouvelles à ce sujet-là. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais lui laisser te l'annoncer, là.
J'espère que tu comprends. Oui, là, je le savais. Mais je veux pas le perdre, papa. Voyons, Max! Pourquoi t'es pas content, Mathieu? C'est une super bonne nouvelle, ça. T'as accepté, c'est ça? Oui, oui, c'est... c'est officiel. C'est cool, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais comment ça, qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est évident, il va accepter. Simon, s'il te plaît. Je sais pas. Mais t'hésites. Franchement, ça a pas de bon sens. Alors, chers concurrents, après avoir réussi toutes ces épreuves, vous avez maintenant le choix entre ces magnifiques prix Vanna! Un magnifique grille-pain! Une formidable lavette! Une extraordinaire attache à pain! Ou l'unique et extraordinaire chance de votre vie de devenir champion du monde de tennis! Ah. On prend le temps de réfléchir. Que choisissez-vous? Je vais prendre... je sais pas. Il me semble que c'est la décision la plus facile à prendre. Je sais vraiment pas. En tout cas, moi, si on m'offrait la chance de jouer au hockey avec des joueurs de la Ligue nationale, j'hésiterais pas une seconde puis je dirais oui tout de suite. Mais justement, va donc jouer au hockey ou au G.I. Joe ou au Lego, mais fous-nous la paix. C'est correct, là. Va y aller. Ouais, ça a vraiment pas l'air de faire son affaire. D'un autre côté, c'est vrai que c'est pas drôle pour Marianne. Tu sais, Mathieu, Simon a pas tort, hein? C'est une occasion qui se représentera pas souvent dans ta vie. Tandis que... Tandis que quoi? Ben, tandis que... Vous êtes jeune, vous avez un paquet d'affaires encore à expérimenter. Alors que l'amour... Ah, ben oui, hein, on sait ça, que monsieur qui quitte tout pour aller en Australie puis qui débarque 15 ans plus tard pour partir en Floride avec son fils, l'amour, c'est rien. Non. Mais pour nous autres, là, ça veut dire quelque chose. Marianne, c'est pas ça qu'il voulait dire. Puis toi, pourquoi t'hésites tant que ça, hein? Moi, là, j'hésiterais pas une seconde entre le tennis puis toi. Parce que moi, je t'aime vraiment. Moi aussi. Mais toi, si on te ferait d'aller étudier à New York, là, avec un grand designer, qu'est-ce que tu dirais? Non, mais je... Réponds honnêtement. Je sais pas. Ben oui. Moi non plus. C'est pour ça qu'il faut que je prenne le temps d'y penser avant de répondre. Je voudrais quand même pas jeter de l'huile sur le feu, Mathieu, mais il faut que tu prennes une décision avant demain. OK? Excusez-moi, là, je vais vous laisser. Moi, je veux pas qu'on se laisse. Ben, moi, c'est à ça qu'il faut que je réfléchisse. Mais voyons, Marianne, là. Je comprends. Je sais, c'est difficile, ma grande, hein? Papa, s'il décide de partir, là, qu'est-ce que je vais faire? Mais ben, attends. Il va peut-être décider de rester aussi, hein? Hein? Attends. Oh non. Je viens de t'attacher. C'est pas grave, au moins, c'est une belle couleur. Faites-en pas, Simon, hein? Je vais tout replacer comme avant. Yeah! Ah, pis si tu veux aussi, là, je peux rester ici jusqu'en fin de semaine, hein? Mais c'est pas vrai, il partira jamais! Ah! 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 Non! Je veux pas m'en aller! Je veux rester ici! Ah! Non! Ah! Ah! Si ça continue, il va rester jusqu'à l'année prochaine. Tu sais, Thomas, t'es vraiment pas obligé de rester. Là, je disais ça comme ça? On dirait que t'es déçu que je couche ici ce soir. Mais non, pas du tout. J'ai tellement hâte de t'entendre mémérer toute la nuit. Maman, il y a un train qui part du point A qui va au point B. Simon, c'est pas si pire que ça.
Ben, ça m'empêche juste de dormir. Alors, ça va pas avec un... Quoi? Ben... Quoi, je ronfle pas? Ben, c'est pire qu'une tondeuse. Ben, pourquoi t'insistes pour rester une nuit de plus d'abord? Ben, j'insiste pas, c'est toi qui voulais pas que je parte. J'ai jamais dit ça. Oh non? Ah bon, là, j'ai pensé que... OK, comme ça, ça te dérangerait pas si je partais ce soir? Mais non, on va se voir tous les jours à l'école. Ah, j'ai tellement hâte de dormir dans ma chambre, là. Moi aussi. Ben, je veux dire de dormir tout seul dans ma chambre. Mais là, on a quand même eu du fun. Hey, mais hein? Ouais. Puis merci, Simon, là. Ça a été vraiment cool de ta part de m'accueillir chez toi. De rien. Hey, on va aller faire du skate, OK? Ouais, let's go! Tu y as pas encore parlé? Non. Ça va te mettre en retard pour le magazine, hein? Non, non. J'ai fait deux premières pages, là. Une avec votre photo, puis l'autre sans. Regarde. Merci, c'est super gentil. Wow, elle est belle, la photo, hein? Tout le monde va voter pour vous, c'est certain. Peut-être. Mais tu sais, même s'il part, vous pourriez peut-être rester ensemble. Et imagine le grand titre du prochain numéro vous consacrant Coupe de l'année. Leur amour est plus fort que tout. On verra. Tu sais, hier, tu m'as dit que la Floride, là, c'était pas si loin que ça, en fin de compte. Mais oui, mais pour une amie, mais pour mon chum, c'est pas la même chose. Oh, c'est lui. Quelle bonne chance. Contente pour toi. C'est trop gros pour que je passe à côté. Je comprends. Tu sais, pour la première fois de ma vie, je pense vraiment avoir des chances de devenir un joueur de tennis professionnel. C'est vrai que t'as du talent. Toi, est-ce que... Non. T'es sûre? Si on se voyait juste une fois de temps en temps, mais ça me ferait aussi mal que si on se laissait. Sauf que ça durerait plus longtemps. Tu vas m'écrire? Oui. Tu t'en allais, là. S'il te plaît. Thank you.